Amen partout. Vous voulez la foi, amen. Vous voulez la foi, amen. Jésus dit, vous allez servir. Quoi? Bon, le dimanche prochain, prêtez-vous. On va aller avant sous les cacahuètes chercher Pipé. Pipé, tu vas voir l'église, elle va comprendre. Tu vas prêcher à qui? Il va vous donner le verset. La Bible dit, Jésus dit, la Bible pasteur, c'est à toi Jésus a dit. Va à moi, ce verset-là, s'il te plaît. Alors? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On est fort dans chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Le Christ va chasser les démons, tu gères les démons, Seigneur, les démons, prie, Dieu. Ils parleront de nouvelles langues. Après, on parle, arriva. Ils saisiront des serpents. Quand on arrive sur le verset, on saute ça. C'est le passage à la foule là. Quand on arrive sur le passage, on saute. On ne veut même pas bien prononcer. Ils saisiront les fonds des passes. Vous savez, c'est les symboles. Le serpent ancien, c'est le diable, le symbole du diable. Le serpent symbolise le diable. Donc voilà, on appelle le diable le serpent ancien, le serpent. Donc saisir un serpent, c'est aller tremper une sorcier, comme Crasso fait. Sinon, tu n'es pas allé se balader sous moi, voilà, attraper du pleva, il va te manger, t'as compris. Non, Jésus dit à mon nom, où saisirait les serpents. Il t'a dit cher du père. Il dit Jésus a dit. Jésus a dit. Je ne peux bien penser, il dit, comme on parle en langue déjà, comme on chasse les démons, moi qu'est-ce qu'il y a d'attraper ses mains. Qui va le suivre? Il te montre la vie, il dit c'est la vie. Amen. Qui va dire amen? C'est la vie qui dit, vous allez attraper ses mains. Elle dit, pasteur, pardon, moi-même là, disais, je n'ai pas compris ma maison, il est parti. Ça a été ma sortie de l'église. À mon nom, ils saisiront les serpents. C'est la pratique de la sorcellerie. Saisir le diable. L'amener à fouiller ce qu'il a fait. La meilleure manière d'aider le sorcier, c'est de faire passer les âmes. Simplement. Et tous ceux qui sont passés par là, on est délivrés. Ah non, j'ai dit, mais ça le délivre. Toi, tu as quel problème à critiquer ça? Toi, tu as quelle méthode à délivrer le sorcier? Moi, j'ai fait sa marche. Mais ton problème, il est où? Non, c'est-à-dire, non, je ne les humilie pas. Je ne crée pas une rencontre humiliée, sorcier. Non, je les délivre. Parce que c'est une société secrète. Pour être délivré, il faut qu'il parle. Amen. On peut parler. Non, les enfants, les mêmes disent que maltraitant l'enfant. Moi-même, je m'insulte. Quand ils mettent sur mon YouTube, là, oulala, les paroles, on me dit, dire. Je ne maltraite pas l'enfant. On dit, l'enfant, il tue. Et j'ai quand même laissé tuer. Non, mais c'est ça, il dit aux gens, il dit, l'enfant même dit, j'ai tué. Donc, Crasso ne fait que l'aider. Fait de lui un enfant positif. Parce que tout compte fait, il a appelé à vivre dans la société. Il ne doit pas mettre l'enfant le détruire. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez le sorcier parler, il y a une initiation. Ou même si on est avec, tout compte fait, c'est un démon qui les habite. Donc, l'église doit être capable de chasser un démon. Quelqu'un qui tue, puis qui vit à lui. Il va continuer de tendre les familles. C'est si nous ne voulons pas justement. Donc il faut débarrasser cette âme. Il faut chasser son enfant. Selon moi, mes critiques, oulala, les amis, on va te dénoncer à l'ONU. Maltraiter l'enfant. Il dit, entre vous et nous qui maltraitez. L'enfant me dit, tu. Pourquoi vous ne prenez pas pour lui? Il a dit, c'est moi là, vous jugez. Lui-même, il parle sans violence. Il dit, tu. Et puis c'est pour moi là, vous croyez. Vous m'avez condamné. C'est qui les grands, les enfants, ça? Sida, enfant, dit enfant, sida. Enfant, telle maladie. Si l'enfant sort, les vieux ont sorcellerie, les enfants ont sorcellerie. Moi, je ne m'appelais pas enfant. J'aime plus les enfants, d'ailleurs. Partout, je passe. Mais les enfants sont les plus dangereux dans la vie de sorcellerie. Et ils font ça comme un jeu. Tu frappes, comment tu appelles? Abraham, tu frappes Abraham. Bah! Abraham, bah! Et lui. Il ne dit rien. C'est quoi te montrer pour lui la nuit? Tu vois, Abraham, hein, ils sont têtus, on est cabri. Les enfants sont sûrs. Donc, ils s'en fichent de toi. Là, ils te voient nuit, t'as une paradis. Qui là? Tu attends Abraham, il pleure. Il dit rien. Le juste est là. La nuit, il marche toi maintenant, matin. Ah. Il fait pour lui la nuit. Tout à coup, exagéré, il dit, bon, on va aller manger sur sa poitrine. Il mange sur sa poitrine, il fait pas la manger. Matin, tu es là, quand tu te fais ma poitrine, ma poitrine, ah.
La marmite chaude est sortie là. Et sur la main, il a battu une boule. Ça n'a pas été un rempli. Pendant que tu rompes, il mange quoi? Il mange. Quand il finit maintenant, il dépêche sur toi. C'est juste pas la trop pour bien baisser. Au lieu de s'arrêter, il met un petit sur toi. Donc quand tu vois partout, on te chasse. Tu comprends plus rien. Dieu la sorcellerie. Mais quand tu viens de manger, tu ne défectes pas. Lui, il défecte aussi. Il a fait de manger, il va défecter. C'est sur toi, il va pouvoir verser. C'est... Nous luttons pour le droit de l'homme. Oui. C'est l'homme qui a droit à la vie. Je dis, je tue. Ce sont les cris spirituels. Tu n'as pas forcé. C'est toi qui te dis. Combien? C'est moi qui t'envoie ici. Hein? Abraham. C'est moi qui t'envoie. Ici, c'est une clinique spirituelle. Où on fait d'un sorcier quelqu'un de positif. Vous savez, le sorcier, on peut le délivrer. Il peut être bon dans la société. Quelqu'un qui mange âme, qui vit à lui dans la maison, il va manger. Toi, tu ne manges pas garba matin. Quand tu manges, lui, il mange. Toi, tu manges comme ça, non. Lui, tu vois le capri. Puis, il lave sa langue. Il fait tout, lui. Là. Si on le mange, là, c'est bon, hein. Pour les demander. Le capri, là-bas, on ne te dit pas par moment. Et le capri, là, nous, j'attends qu'il soit 5 kilos. Qui pèse encore très bien. 5 kilos. J'ai attrapé un gars à Fresco, à Grand-là, où dans un village, Zabalébé, un village de Grand-là, d'Africa, traverser l'eau, je suis allé l'attaquer là-bas. Lui, c'est dans l'église, il mange. C'est dans l'église, après les gens, il y a balance, le pesant là, quand il pèse, ah, ok. Le riz, tu fais, tu as 25 kilos, il te mange. Il est combien de l'église, mais il attrape à l'église. Même dans l'église, il y a un bon sorcier. Même ici, il y a des m'attaquer. Je ne sais pas, c'est pas où, où on doit là. Bon sorcier. Ici, on vient m'attaquer chaque jour. Chaque jour, chaque qui vient, il change de stratégie. Il va réfléchir jusqu'à. Il fabrique une arme. On va attaquer le. Voilà. Ça échoue. Il réfléchit jusqu'à. Mais vous ne pourrez rien. Ben, c'est pas l'homme qui m'a consacré, c'est Dieu. Amen. J'ai dit aux gens, ils ont ce travail. Tu vas venir dans la narine des sorciers, tu as maillé qui? Les maillés sagis. On peut maillé sagis, c'est le travail. Mais tu fais tout ton temps, tu es stressé. Vous savez que c'est stressant le travail. Quand tu attends les gens, moi souvent ça me donne une colère pas possible. Parce que je sais ce que les gens font à mon mental. Puis je vais digérer ça. C'est pas un travail de tuer les sorciers, tu viens dans sa bouille, dans ses narines, tu as maillé qui? Les maillés ça, les maillés ça. Et Dieu m'a dit, fais le travail. Souvent, il lui dit, ah, le travail que m'a donné, là, c'est pas le travail. Mais quand j'ai réfléchi que les sorciers ont envahi ma famille, je me dis, non, c'est vrai, ils ont fait. Mais moi, je n'ai jamais permis que les sorciers tuent encore d'autres familles, envahissent d'autres familles. Donc, moi, ma manière de me venger, c'est cette manière-là. Je les frappe pas, non. J'ai demandé, je les délivre. Maintenant, si tu ne veux pas te délivrer, je donne un type de séjour de la Mauritanie. Ça, il y a ça. J'ai 6 pieds cachés sa vie, tiens. Il y a des choses que vous maîtrisez pour tuer l'homme, c'est pas. Je n'ai pas envie de faire ça dans ma bouche. Sinon, c'est facile. Surtout sorcier. Tu ne laisseras pas vivre une personne qui pratique la sorcellerie. Si je répète ça 7 fois, puis je dis ton nom, et puis je me mets ça caté, et tu ne connais pas. Il compte 1, 2, le 4e jour c'est fini, arrêt cardiaque. On dit la fin AVC. Amen. Il y a quelque chose en vous qu'on appelle le pouvoir de Dieu. Tu peux le tirer comme tu veux. C'est dit, pouvoir de Dieu là. Tu peux le tirer comme tu veux. Je vous ai donné le pouvoir à mon nom. Donc, tu peux tout faire ça. J'ai parlé un petit, j'ai dit, moi j'ai envoyé foudre contre toi. Moi je l'ai moi. Foudre, qui a créé ça? C'est Dieu. Moi, je suis son héritier. T'es un sorcier. Oui. Comment tu dis que tu es sorcier? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcier? Qu'est-ce qui te fait dire que tu es sorcier? Tu comprends mon français là? Comment tu es sorcier?
Tu comprends mon français? Merci. Hein? Merci. Non, mais réponds alors. Prends le micro. Hein? Prends le micro. Zadi. Prends le micro. Comment tu peux dire que tu es sorcier? Tu dis que tu es sorcier, non? Comment? Tu fais quoi pour que tu es sorcier? Hein? Tu vas te balader comme ça. Tu fais quoi? Comme ça. Que tu ouvres ta porte, que tu vas te balader dans la maison des gens. Non. Hein, mais explique-moi. Hein? Il faut regarder sur. Donc je te promets en amenant des gens. Allez, le couteau. Comme pour ça. Tu vas en amenant des gens comme ça. Et puis on dit viens, rentre. Dis nous. Non. Comment tu fais? Hein? Ah, tu es un oiseau maintenant. Tu fais quoi la nuit? D'abord, pour expliquer, moi, d'abord. Mais ton nom, on va. Il te transforme en oiseau. Quel oiseau? Quel oiseau? Pigeon. Hein? Pigeon. C'est pas un pigeon, c'est pigeon. Pigeon. Hein? Hein? Pigeon. Hein? Pigeon. Pigeon ou hibou? Hibou. Nakale, bien, bien. Hein? Oui. Alors, je. Mais comment il bouge? Je suis transformé. Et allons-y. Mais comment il bouge? Viens maintenant, mais je. Viens maintenant, je suis content. Oui, mais comment tu es hibou puis tu rentres dans la maison des gens? Pourquoi est-ce que je dis? Comment tu peux être hibou puis tu es dans la maison? Mais comment il bouge? Il est en vol. Mon amour, il est hibou. Mais comment tu arrives à rentrer dans la maison? Il y a un peu de temps. Ah, c'est fini, seulement. Oui. Cette ménage est fermée. Même quand il doit aller faire ma fenêtre. Si tu es fermé. Tu vas pas une porte. Si tu peux être fermé. Hein? Tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir. Et si tu veux des tu peux ouvrir. Comment? Tu casses la porte. Hein? Casse la porte. Tu casses comment? Tu parles, de toute façon. Tu casses. Tu dis rien. Tu casses, tu tapes. Et pourquoi les gens ne se réveillent pas? Ils ne sont pas endormis. Ils ne sont pas endormis. Les matins, ils voient la porte cassée. Ils s'en vont les pieds. Hein? Mais est-ce qu'en réalité, c'est une porte qui est en train de casser? Toi, tu ne peux pas transpercer le mur comme ça, avec ton pouvoir. Tu ne peux pas traverser la porte, tu veux les casser la porte. Oui. Hein? Oui. Tu vas traverser le mur comme ça? Non. Tu fais quoi? Tu casses la porte et tu rentres. Tu rentres? Oui. Et tu fais quoi? Je m'en vais maintenant. Je m'en vais. Hein? Si ils ont du mal, ils sont les condamnés. Tu veux parler? Ceux que tu connais, tu les tues. Ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un que tu dois tuer. On te dit, moi, comment tu devais les tuer? Oui. Qui te dit? Hein? C'est grâce au. Oui. C'est elle qui te commande. Oui. Elle est là. Oui. Elle est où? Bien. Comment tu as fait? Grâce. C'est toi qui l'envoie. Dis que c'est. Hein? Qui te commande? Toi, tu commandes qui? Ah! Ah, c'est la reine. Mais qui envoie? C'est pas la reine qui envoie. Alors. On va rien te faire. C'est toi qui l'envoie. Elle tourne normalement ici.
tout ça non là. Que Dieu demande ça. Ça te fait quoi de me dire que l'enfant là, il n'a pas eu pas. C'est toi qui l'envoie. Oui. Hein? Oui. Tu es la reine. Oui. Avec du poire. Non, quand on est reine là, on fait quoi? Donc, dit, c'est elle qui t'envoie. C'est elle qui t'envoie. C'est toi qui l'envoie. Pour faire quelle mission? Qui a donné à son Seigneur? Il a ça. Qui t'a donné? Hein? Et donc, vous êtes bien pour vous. Comment tu es rentré dans son groupe? Hein? Non, calme, hein? Ça veut quoi? C'est pas un petit peu de bananier. Au bananier, tu l'as vu. Lui dit ce qu'il fait là, il fait ça aussi bien. Il y a un petit qui est parti dans un village presque. On a travaillé, il voulait manger sa maman. Elle était sur le point de mourir. Donc il attrape le petit, il dit non, il est venu au village. Et puis il a vu les enfants. Et puis il a dit ah, c'est où il est la belle du père? Moi j'ai fini ça. Il est quoi, il est sorcellerie. Donc la nuit on l'a invité au resto. C'est une vie, quand même, on vit ici là. Je suis allé détruire le restaurant d'une dame. Elle est sous ma grande là-haut, derrière Bébounou. Tu as 3 km sur l'eau. Qui l'a tué la nuit. Je suis allé détruire le restaurant. Dans tout grand là-haut, c'est échouant. Il paraît que papa, qu'on appelle William Vadaris, il a échoué là-bas. J'arrive, je ne vois pas le village. C'est vous voyez, il travaille là sérieusement. J'attends le chant des oiseaux vibrer. J'ai dit, tiens, je suis venu, c'est terrible. Mes gars sont descendus, ils sont venus partir. Moi, je suis là-bas, je ne vois pas. Je ne vois pas le vélo de ça. J'ai commencé à parler, prier en langue. Vas-y, ça, il dit, ça, il tente la mort et la vie. Parler en langue pendant 1 heure. Et puis, j'ai vu deux, au côté, j'ai vu le village. Vous êtes sorti dans des villes, c'est sorti là, c'est dans le village. Quand j'en ai coupé, on a vu le village, la dame a dit, c'est fort, hein? C'est qu'il y a des démontrices. Tu as gagné. Mais. Et tu es venu détruire mon restaurant. Toi, ne quitte pas à l'arrivée là pour venir manger à Tigayo. Tu ne fais pas ça. Moi, ça me prend, je vais manger à Tigayo. Tu es venu détruire mon restaurant. Tu gagnes. C'est qu'il y a des démontrices. Enfant la plus démasquée, cette femme. Mais je l'ai envoyé un visa de me remettre. J'ai dit, c'est moi qui ai arrêté. Tu voulais me tuer. Tiens pour toi. Là, c'est rapide. Qui tu m'as essayé, qui tu m'as looté. Je tombe pour toi. Elle est morte après. Donc, ils ont un restaurant. Les oiseaux, vous voyez là, c'est pas amusement. C'est pas un jeu. C'est quand je vois que les blancs, ils font semblant. C'est toi qui la vois. Hein? Donc tu es ensemble. On mange ensemble. Alors, tu la règles. T'as quel âge? À 12 ans, tu as tué un règne. Tu as tué combien? Quatre personnes. Tu vas me dire le nom. C'est qui? Ton grand frère. Comment il est allé?
Tu as Dieu écrit. Genèse écrit. Comment tu l'as tué? La maison de Israël a été devenue touchée. Ah, c'est pas besoin de la même histoire là. Hein? Un des jumeaux. Et toi? Toi, tu es. Je suis la dernière. La même famille. La même famille. Oui. Comment t'appelles? Sarah. Quel est le nom biblique qu'on a? Tu es sorcière? Oui. Qui t'a donné? Tu donnes sa sorcellerie aux gens. Pas le micro. Non, c'est toi qui as donné la sorcellerie. Comment tu as rangé? Tu as fait quoi? Pour montrer comment tu as fait. Hey. Et puis tu as donné. Bien, quelle fraise. J'aime qu'on explique ça très bien. Dis à l'équipe au village, approche-toi très bien, mon enfant. Bien. Comment? Pour parler. Comment?